Stéphane Millotte, agriculteur dans l'Yonne, limite Côte d'Or, en situation plateau, donc grande hétérogénéité dans les parcelles, en agriculture de conservation depuis 2004 et en bio depuis 2018, sur 500 hectares en grande culture. On essaye de travailler toutes les pistes pour fabriquer de la bonne santé végétale plutôt que de lutter contre des maladies. Si on occupe l'espace, si on apporte de la diversité, de la biodiversité, je pense que les choses sont complètement différentes. Je suis convaincu de ça depuis très longtemps. Ça fait un bout de temps que je suis conscient que l'agriculture a ce service environnemental, a cette possibilité de rendre ce service environnemental. Et Sol Capital, vous avez été très réactif. Et ça m'a suffi à me convaincre. Aujourd'hui, je suis très fier d'avoir reçu le diplôme. Face à l'urgence climatique, la rémunération du carbone, ça doit être maintenant.